Bonjour, c'est Alex, préparateur physique en ligne sur olympfit.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice que je ne vois jamais faire dans les salles de sport. Pourtant, c'est un mouvement qui est très intéressant puisqu'il est complet et il sollicite toute la musculature du haut du corps. Donc abdominaux, pectoraux, épaules, dorsaux, biceps et triceps, ils sont tous en train de travailler en même temps dans un seul et unique mouvement. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Pour faire cet exercice, j'ai besoin d'une machine à poulie vis-à-vis. Donc l'idéal c'est d'avoir des poulies réglables pour que je puisse régler la hauteur de travail au niveau des épaules. Ici j'ai des poulies fixes, une en haut et une en bas. Donc je vais travailler avec des élastiques que j'ai mis à hauteur des épaules. Je commence par prendre la poignée qui est derrière moi avec la main droite. Avec la main gauche je vais aller chercher la poignée qui est devant. Je vais me mettre ensuite au milieu de la machine. Les épaules alignées avec le bassin, donc je ne suis pas en rotation comme ceci, mais plutôt ici, et à partir de là, je suis prêt à commencer le mouvement. Je commence par pivoter, et en même temps, je vais pousser avec la main droite et tirer avec la main gauche. Donc vous voyez, je suis en train d'engager fort les abdominaux pour assurer la rotation du buste. En plus, je suis en train de pousser et tirer en même temps. Donc je travaille épaules, pectoraux et triceps pour pousser, dorsaux et biceps pour tirer. Le buste reste bien droit pendant tout l'exercice. Notez que la poignée ici elle est au niveau de l'épaule, donc je ne pars pas de là mais plutôt d'ici. Je pousse et je tire en même temps. Et bien sûr, quand j'ai fini de travailler un côté, je n'oublie pas de travailler le côté opposé. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une machine à poulie vis-à-vis réglable, vous êtes obligé de travailler avec une poulie haute et une poulie basse. Ce n'est pas grave, on peut quand même bénéficier de cet exercice. On va faire la même chose. Avec la main droite, on va prendre la poulie qui est derrière nous et qui est en bas. Avec la main gauche, la poulie qui est devant nous et en haut. On se remet en position exactement comme avant. Et puis je vais pousser avec la main droite, tirer avec la main gauche et pivoter en même temps. Notez que cette fois-ci, je pousse légèrement vers le haut et je tire légèrement vers le bas. Pour être aligné avec la position des poulies. Et donc voici pour le pousser tirer à la poulie vis-à-vis. Essayez cet exercice et incorporez-le dans votre programme. Ça va enrichir et dynamiser vos séances. Ce n'est pas un mouvement qu'on travaille en force. Donc optez pour des longues séries, au minimum 8 répétitions. Vous pouvez l'utiliser pour stimuler l'hypertrophie musculaire et donc travailler entre 8 et 12 répétitions. Vous pouvez aussi l'utiliser pour taper dans la masse grasse et l'incorporer à vos circuits training et travailler en très longue série. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup pour mon travail. Je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo.